disait en titre, un pacte de stabilité et de développement a été signé aujourd'hui entre le groupe Sonatrach et la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie sous le patronage de l'UGTA. C'était lors d'une conférence nationale organisée dans la zone de Haoud al-Hamra, dans la daïra de Hassim Saoud. Salem Kasser. La deuxième journée de cette rencontre a vu la participation des cadres de la Sonatrach, des syndicalistes et des invités, ainsi que la présence du PDG de la Sonatrach qui a présidé la réunion et du secrétaire général de l'UGTR. Cette rencontre a été sanctionnée par la signature d'un pacte à caractère socio-économique et de développement entre la direction générale du groupe Sonatrach et la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de chimie, sous le patronage de l'Union générale des travailleurs algériens. Ce pacte servira de référent pour tous les travailleurs des filiales du groupe Sonatrach et contribuera assurément à satisfaire leurs attentes tout en veillant à la stabilité et au développement de l'entreprise. Je dis bien que moi je ne conçois pas pouvoir gérer une entreprise si ce n'est pas les travailleurs qui sont impliqués dans la gestion de cette entreprise. Et c'est pour cela que je dis toujours, pour qu'on puisse travailler comme il faut que le travailleur soit pris en charge et comme il faut. Il soit pris en charge pour la santé, pour son éducation, pour la formation et pour toute autre chose qui lui permette de se développer. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble. Nous sommes ensemble dans la même barque. Et il n'y a pas quelqu'un qui va gagner ou quelqu'un qui va perdre. On doit réussir ensemble. Le pacte national qui a été signé pendant la tripartite va graduellement être appliqué au niveau des entreprises et des bases ouvrières pour créer cette atmosphère sereine entre les syndicalistes et les travailleurs dans un seul but, celui de renforcer les capacités de notre pays, l'Algérie, et la rendre encore plus forte. Cette rencontre fait suite à une série d'autres tenues pour débattre des préoccupations socio-professionnelles, se concerter pour aboutir à leurs solutions, pour promouvoir également les œuvres sociales, améliorer la prise en charge de l'employé et des ayants droit, promouvoir l'entreprise et consacrer sa stabilité, débattre également et échanger les idées sur les différents volets socio-économiques et professionnels dans le cadre de la stratégie du groupe Sonatrach Horizon 2030. Tous les participants présents durant cette rencontre ont appelé le président Abdelaziz Bouteflika a continué dans sa démarche de développement du pays et l'ont honoré à l'occasion en souhaitant bonheur et prospérité à notre cher pays.